Hey YouTube, c'est Alain Le Cété. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais déguster des Kinder Fjärd. J'en ai jamais goûté, je n'ai jamais eu de très bons retours, je pense. Du coup, quand on l'ouvre, ça donne ça. Il y en a 5 et je crois qu'il y en a 2 dedans. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, quand on l'ouvre, du coup, ça donne ça. Il y a les deux petits Kinder Carrot. Alors, là, non, c'est même pas du chocolat, c'est une gaufrette. Ouais, c'est une gaufrette marron, genre, je pense, mélangée à du chocolat. Et derrière, c'est une autre gaufrette. Quand on claque, on a la petite crème dedans, entourée de gaufrettes. Ah, et on peut voir un petit peu de chocolat sur cette partie-là, je crois, si ce n'est pas... Ouais, je crois que c'est du chocolat. On sent vachement la gaufrette. Et après, là, l'intérieur est un peu dur. Sur la photo, on dirait qu'il n'est pas très dur, genre qu'il est un peu mou. Mais souvent, dans les Kinder, c'est comme ça. Mais après, là, je l'ai mis au frigo, donc je sais pas. Je peux sentir l'intérieur, genre on sent la gaufrette, on sent l'intérieur là. Je pense que c'est ça qu'on sent là, le blanc. Le noir, on ne doit pas sentir de trop. Non, c'est. Ça va. Je pense en fait on sent les deux, genre le chocolat blanc et le chocolat au lait. C'est même pas du chocolat blanc. Deux gaufrettes fines et croustillantes. Une au lait et au cacao. Et une au cacao. En fait, ça c'est celle au cacao et ça c'est celle au lait. Au goût délicieusement Kinder. Ah, un cœur, on va faire un cœur fondant. Pour l'instant, j'ai pas le cœur fondant. Mais c'est pas mal, vraiment. Par contre, le prix, on n'en parlera pas. Après, je l'ai acheté dans un petit magasin de campagne qui revend les trucs hyper chers, donc je sais pas si c'est ça. Mais après, c'est du Kinder. Alors, j'aime beaucoup, mais je trouve que pour le prix, bah, ça reste cher. C'est du Kinder, comme je l'ai dit avant. Faut goûter une fois, mais après, on peut s'en passer, vraiment. J'essaie de mettre des notes maintenant. Alors, pour le prix, je mettrais vraiment. Bah du coup je vais me faire une grande note pour tout. Je pense que le prix ça a baissé la note. Je pense que le goût y est. La gaufrette on sent vachement. Le cœur fondant je l'ai pas trop senti. Mais par contre, peut-être parce que je l'ai mis au frigo, du coup on va dire que c'est pas de leur faute. Pour le coup je mettrais un 7. Pour le prix je mettrais un 4. Du coup ça veut dire 6. Du coup, un 6 pour les Kinder Carl. Je vous conseille d'essayer. Du coup. À bientôt pour une nouvelle vidéo.